Bonjour mes pilons, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Visé. Je suis bien évidemment en compagnie de ma chère tante. Alors, donc sur ce, après moult et négociations, etc., Necro est reparti pour faire sa flippette sur un nouvel épisode de Visé. C'est ça mon métier. Donc, pour revenir à l'épisode précédent, on s'était fait, si vous me souvenez bien, jarter. Non, c'était pas fait jarter du monde de la femme, etc. Bon, en ce cas, on s'était fait, jarter. Tout simplement dans le jeu. Et donc, il fallait continuer un peu à se balader dans la maison, etc. etc., etc. On se baladait un peu partout. Donc, en soi, on va s'arrêter de voir le foutoir, on va monter, etc. J'imagine que dans le jeu, ben, on avait par contre été un tout petit peu regardé, il faut savoir, pour ne pas de nouveau se balader, etc. On avait vite regardé un petit segment de speedrun, plus ou moins pour voir où il fallait aller, parce que se balader dans la maison, moi il y a un moment ça me faisait chier. Donc je crois que ça se passe plus ou moins dans la salle de bain, le truc prochain, c'est du style. Enfin, on verra bien actuellement comment ça va se passer. Donc sur ce, je lance. Allez. Je peux tout comprendre. Merci. Merci ma chère étrange. Avec du jeu de robot cigarette. Parce que pareil, il y a une mise à jour sur le jeu qui rendait les choses plus intuitives, etc. etc. et qui rendait aussi une meilleure intelligence artificielle dans le jeu. Ce qui d'ailleurs j'avoue était nécessaire. Parce que j'en avais marre de. Là, évidemment, nous avons la meilleure luminosité que je rêve. Là! Oh! 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 Comme un stunt! The fuck! Ça, c'est quoi le son? Et là, d'avoir une luminosité. Oh, bah tiens, c'est super! Hein. C'est super bien foutu le nouveau système de mes couilles! Je relance vite, fais le jeu, j'arrête, je le relance. Donc, on disait. Déjà dans un premier temps. Alors, faudrait qu'il m'explique quand même le concepteur du jeu par rapport à la nouvelle IA. Super bien foutu parce que là j'ai pas compris le concept. Mais bon, c'est pas grave, donc loaded game, on revient. Déjà, au moins maintenant c'est configuré les touches, je devrais plus commencer à me balader, etc. 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 Alors. Putain, mais je me suis fait baiser, mais comment le fond là, on voit pas. Ça a vraiment été bonjour, bam, instantanément tué quoi. C'est clair. J'en paye au moins latin. Donc là, on sait en fait, bah du coup, en fait, tu dois capturer. N'oublie pas que c'est ton appareil photo. Bah, c'est surtout. Voilà. Ah ouais, mais. Oui, j'ai mon appareil photo. Elle est là. Bah ouais, je sais qu'elle est là. Je sais que. Putain, mais. Mais Julien, c'est normal. Tu peux faire flasher. Je sais, mais je n'arrive pas avec le nouveau système à reprendre l'appareil photo en main. Je n'arrive pas à reprendre l'appareil photo en main. Je comprends pas le nouveau système. Ah. Bah. Normalement, c'est les mêmes touches, tu sais. Oui, oui, oui. Non, c'est plus les mêmes touches. C'est plus le même truc. On va pas changer dans le paramètre alors. Oui, mais c'est, on peut pas changer les paramètres de touche, mon amour. On avait déjà essayé, on avait déjà regardé tout ce qui était paramètres, etc. Non, c'est juste que je dois essayer dès le début de me barrer, de trouver le bon chemin pour pouvoir me casser de cet enfer, tout simplement, tu vois. Non, à mon avis, tu dois être obligé de la contrer avec l'appareil photo. Ouais, bah, j'aimerais bien pouvoir prendre l'appareil photo. Ah! Voilà. Donc dès que tu l'entends, dès que tu entends un truc. Enfin, une musique, tu sais que tu dois. Mitrailler avec ton appareil. De toute façon, tu vas l'entendre arriver. Save game! Save game! Save game avant tout! Ok. Ah, putain, mais. Eh! Ah, ok. Ça a complètement changé. J'ai l'impression qu'il faut déjà monter.
Restez dans un coin. Restez dans un coin. Restez dans un coin. A votre standing in the dark for too long. Tu me fais rire, toi. Il a contré, non? Je sais pas du tout ce que j'ai fait. J'ai aucune putain d'idée. Parce que je suis en train de faire, de foutre, etc. Etc, etc, etc. Et j'imagine qu'il faut... ouais, je sais pas du tout ce que je dois foutre. J'en sais rien de chez Etienne. Ok, par contre, ça a complètement changé la manière de d'utiliser ces... touches. Les touches, l'interaction, etc. Ça complètement... Oui, je vois ça. Et en fait, tu dois rester ici, parce qu'ici, on dirait que c'était bloqué. Ouais. Dans cette pièce. C'est ça. Ah putain! Ah putain! Je peux pas, ouais, je peux pas sauver. Je suis effectivement HGM complètement. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire là? C'est quoi, c'est un savon de douche? Les amis. Essayez de comprendre. C'est ça que je suis en train de me poser comme question. Ah, l'eau du bain, on va se remplir. Ouais, c'est vrai que c'est en train de se remplir. Bah tu sais quoi, en attendant moi, hein. Je photographie, hein, je veux dire. De toute façon, c'est pour l'agence immobilière. Tu sais, c'est ça, on a besoin d'une certaine manière d'avoir... Ok, donc c'est comme ça maintenant, le pays, t'aimes. Mais déjà c'est mieux maintenant, regarde, tu peux te balader comme ça dans l'éventail dynamique, c'est mieux fait, franchement. Par contre, est-ce qu'il y a pas un truc que tu peux oublier allumer? Je sais pas, est-ce qu'il y a pas un interrupteur que tu peux allumer ou... Non, mais comme tu dis, ça se remplit. Ça se remplit tout seul en fait, l'eau du bain se remplit tout seul. Oh putain, ah, je déteste ça. Oui, t'as vu? Ouais, j'ai vu. J'ai vu quelqu'un prendre une douche tranquillou pour l'instant. J'ai vu. Donc quoi, je dois vraiment prendre le truc du bain ou... Non, tu dois continuer à couper les ouais. Donc, je dirais que ce serait le plus intelligent pour l'enfant parce que tu veux pas qu'on vienne dessus. C'est ça. Pour l'instant, je comprends pas ce que tu veux faire. Donc maintenant, en fait, l'appareil photo est dans l'autre main. Il est tout le temps en même temps. Je peux toujours avoir mon arme en main, en fait, et autre chose. Ça j'avais pas pigé maintenant, ils ont changé, tu vois, donc ton truc d'interaction pour survivre est dans une main et tu peux oui, avoir autre fait, chose dans une autre main. Si, c'est ça, pour réagir. C'est quand même simplifier le jeu, j'imagine. Non? C'est ça, parce que c'est sûrement dans le stress. Ouais, ils se sont rendus compte que c'est un peu trop complexe. Parce que déjà, de base, le jeu est compliqué, alors si en plus tu peux pas interagir avec plusieurs objets, c'est un peu chaud. C'est ça. Je suis en train d'examiner tout ce qui pourrait entre guillemets lui appartenir. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on voit pas en fait, c'est emmerdant parce qu'on voit rien. Écoute, c'est pas trop. C'est ça. J'essaie de photographier les chiottes tête, en fait. Ils ont besoin d'entamer les cartes fraises. Mmh. Ils ont besoin d'entamer les cartes fraises. Tu m'étonnes. Je suis que dalle à ce que je dois foutre. Ah, vraiment que je vais sur le coup. Franchement, peut-être là dans le miroir, le tableau. Ah, en tout cas, tout est gemmed. Ça, il n'y a plus... Il y a le tableau. Ah! Quoi? Un truc de bain, là. Je n'ai pas encore ouvert. Est-ce que peut-être... Peut-être que je dois prendre un truc là-dedans. Peut-être qu'il y a des clés. Ouais, attends. Mais... Ah!
Mais c'est vrai. Imbécile. Ah, ouais, ah merde, là, peut-être. Non, je pense pas qu'elle va se retrouver là. Non, non, mais tu sais, un truc à prendre. Regarde, ça, c'est vachement. Non. Vachement quoi? Ah, là. Je sais, je vais toujours prendre déjà dans un premier temps. Ouais, ça a changé, hein, toutes les touches pour prendre, etc. Tous les contrôleurs ont complètement changé, c'est plus du tout la même façon. Attends, comment est-ce que je remets ça dans mon inventaire? Comment est-ce que je... Ah ok, non, c'est clic droit, voilà. C'est clic droit pour utiliser ça. T'as pas vu comment ça fait quoi ça? Ouais, si, si, justement, c'est ce que je suis en train de... Clic droit, maintenant, regarde, pour faire ça, et clic gauche pour utiliser... faire mon briquet, etc. Ça a changé, c'est cool. Je peux faire les deux en même temps, en fait. C'est ça, maintenant, ça a changé, tout... C'est pas mal, c'est pas mal. Vous auriez pu déjà mettre le patch des ingalances, ouais, ça, j'avoue. Ah, regarde, là, sur le côté, c'est quoi? Là. Là? Oui. C'est ah oui, il y a des tableaux, il y a pas quelque chose avec les tableaux, par hasard? J'essaye de voir si je peux les examiner, mais ça n'a pas l'air. Parce que je peux pas interagir avec l'eau, genre rentrer, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est ouais, vrai. L'interaction ou quoi? Non, je dirais pas, ça a l'air trop compliqué à comme endroit. Peut-être regarde au plafond. Ouais, peut-être. Sûrement quelque chose que je dois prendre quelque part. Ouais, sûrement. Regarde. Mais une lotion, je vais sûrement me laver en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que tu dois te laver, mais je crois que c'est la dernière chose à laquelle il pense. Hein, il pense hein. Je sais pas, tu pourquoi est-ce qu'il se laverait dans un endroit où il enquête, où il se passe lors des trucs? Ah, il enquête, ça arrive vite. Bon, hein. Lame de rasoir pour se torcher le cul avec. Hein. Bah, mais attends, déjà, on se mais attends, mais attends. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ben non. Et en dessous? En dessous. En dessous. Mmh. Mmh. C'est genre stop, examine, etc. etc. Ouais. Mais. T'as par contre, il y a une physique au jeu, comme ça, c'est pas mal fait. Je suis sûr que je dois. T'écoute, si le bain a coulé, c'est qu'il y a une raison quand même. Pas. Si le bain coule, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec. Quelque chose dans le thème du bain en tout cas. Hein. Ouais, mais quoi? Non, quand t'as dit que tu le touches. Ouais, complètement. Complètement. Examiner, bon ça je suis sûr qu'il doit se laver avec un truc ou n'importe quoi. Ça me paraît très con mais. Non, il doit pas se laver, pourquoi est-ce qu'il devrait se laver? Ça me paraît pas être le mieux. Non mais le bain est allumé, il doit y avoir quelque chose par rapport au bain. Ouais. Peut-être qu'on va le faire avec Claude François, hein. C'est jamais. Attends, à chaque fois un vieux bruit comme ça de temps en temps. Donc on est bien d'accord, il se tient. Ok. Ok, il fallait interagir avec l'interrupteur en fait. Ouais, bah plus attentif, il n'y a pas d'interrupteur, on peut pas faire avec. Là, à mon avis, il va y avoir quelque chose. Interact. Ok. Ouais. Voilà. Je sais pas. On a bien fait passer le tableau. Ah non, ouais. Effectivement, t'as raison. Enfin, en tout cas, il y avait un truc par rapport à la thématique du bain, mais je vois que c'est. Ah. Parce qu'on est enfermé et qu'un bain coulait, c'était le seul truc qui se passait, quoi. Ouais, ça fait. Il y a quelques moyens. On va pas sortir de. Tu te retrouves vraiment plus dans. La vie est une seule. Mmh. Bonjour. C'est pas Lucie ça encore? Si, c'est Lucie. Bon, bah, dans ce cas, on va directement aller voir ce qu'elle veut.
Ok, donc c'est une scène familiale. Lucy! Elle dit, je crois, Lucy vient dans le bain ou Lucy va te laver, un truc du style. Ouais, ouais. J'ai pas trop écouté ce qu'elle a dit, je t'avoue. Ah! Ok, non, non, je peux me balader là-bas. Ça, c'est le fameux paroquet qui s'est fait étrangler. Mm-hmm. Why would she do that? She loved me, no. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Ouais, elle l'aimait. She's never done anything like it. Elle n'a jamais fait quelque chose du style. C'est bien foutu. Je comprends pas ce qu'il a dit par la suite, j'ai pas entendu les mots. Il n'y a plus de sous-titres en fait. Pourtant j'avais mis sous-titres, ils étaient enabled. On va quand même checker vite fait. Sous-titres. Voilà, ouais, sous-titres réactifs en plus. Ah ouais, c'est space. C'est très space. Donc là on est carrément dans les songes de la famille quoi. Ah. En tant que diagnostic, elle pourrait être en danger. On n'a pas beaucoup de choix. Je le sais. Mais qui prescrit des seringues pour un enfant? On devrait juste donner des pilules, comme tout le monde. Le fait est captivé par la télé. Ah ouais? Oui. Oh putain, le chat qui dort, le jumpscare! Regarde, attends. Loki! Ah, moi quoi. Normal, tu sais. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc il dit, ouais, comment on pourrait faire pour convaincre des parents qui, j'ai bien compris, font des trucs comme ça. Je ne veux pas leur aide de plus. Qu'est-ce qui pourrait se passer mal avec ces docteurs encore plus? Un peu trop vite. Elle m'appelle un peu maman. Elle essaie de les aider. C'est pas leur faute. Even before we sought their help, she had problems. She killed Pico for fuck's sake. Ouais, donc c'est vraiment la fille qui s'est fait complètement posséder et la... toute la famille part complètement en couille en fait. C'est ça. Tout à fait normal. Hein. À mon avis, là, tu vas sans doute ressortir du bain ou autre chose. C'est ça. Si le jeu veut bien me laisser. Ah oui, clic gauche. Clic gauche, ouais, mais ça a changé. Ça a l'air mieux aussi, d'habitude. Si je m'y habitue, ouais, ce serait plus. Dans un moment de panique et de rush, je t'avoue que. Ouais. Parfaitement confortable. C'est ça quoi. Bon livre. Je sens un truc arriver. Voilà. Je savais qu'il ouais. Y a de nouveau. Enfin, je crois qu'il va revenir dans les maisons. C'est ça, le mec revient dans la maison. Il est en train de s'étrangler dans le bain en fait. Donc effectivement l'appareil photo éloigne l'arrivée des choses si j'ai bien compris. Première chose à faire, sauvegarder. Ah. Ah non mais je suis encore dans un autre monde visiblement. Là on joue le rôle de Lucy qui était en train de se noyer dans le bain. Ah ouais. Ah ouais. Le démon la possède complètement. Ah. Ah ok. Elle s'est arrachée le bas de la mâchoire. Oh merde. Oh. Félicitations, vous avez complété tout le contenu du Early Access.
Nous attendons vos retours. Merci pour avoir joué à Early Access, donc, parce que je n'ai pas encore sorti. De tout le monde du Square Studio, un petit cœur. Ah, donc. Pour l'instant, de la partie du jeu qui a été achetée, on a. Parce que maintenant, nous, par contre, ce qui se passe, c'est que nous, on va avoir le. Si j'ai bien compris. On a joué à toute la partie Early Access, donc c'est ce qui a été acheté en fait. Hein. C'est, le jeu n'est pas encore vraiment sorti. Hein. Si j'ai bien pigé. Found a save key. Found a progress item for now when it will display in the progress room. Hein, c'est-à-dire quand j'arrive à la progress room. Ok. Non, t'as pas fini le jeu. T'as pas bien compris en fait. Non, le jeu était déjà sorti. Non, le jeu il est encore en Alex, c'est mon père. Ben, je pense. On va voir. Non, sinon il n'y aurait pas le Early Access, machin, etc. Tu vois. Mais sinon, ils n'auraient pas refait tout le mise à jour aussi. Mais ben, je dis, le jeu n'est pas encore sorti. Ça, c'est clair et net. Ouais. Non, t'en as qu'un. Oui, parce qu'il y a. Le jeu veut faire plusieurs chapitres. Bah écoute, on save 2 secondes et on va vérifier l'information. Ok. Voilà. Bon, bah sur ce mes petits pilous, effectivement c'était la fin de Early Access. Je connais une personne qui est vachement déçue de ne plus me voir stressé. Ouais. Ouais. Non, je veux voir la suite. Mais attendez que le jeu est là, au fur et à mesure on va recevoir les mises à jour. On va recevoir des alertes concernant ah tiens la suite du jeu visé de Jenna. Et tu vois, nous on l'a payé que 18€, hein, tu vois, alors qu'il y a des gens qui vont le payer 60€ à leur sortie. Comme étant le tout grand jeu d'horreur, machin, bazar, etc. Bon, sur ce quand même, conclusion pour l'Early Access, qu'est-ce que tu penses du jeu? On tombe quand même des vidéos YouTube à la base, donc bon, il faut quand même qu'on parle un peu du truc quoi. Bah ça a l'air vraiment pas mal. Ouais. Je sais pas, je suis trop fatigué pour en faire. Bah à vrai dire, le nouveau système là, etc. D'ailleurs, c'est, regarde, je me fais plus du tout agresser. Ça fait 10 minutes que le jeu est là, etc. Il y a rien. Non, effectivement, il est fini. Pour l'instant. C'est Mais pourquoi est-ce qu'il y a une clé? C'est la clé de la safe room ou je sais pas quoi là. Donc c'est sûrement la clé genre d'ici ou je sais pas quoi, un truc du style en tout cas. Ça, on peut encore voir par la suite. Ok, item sélectionné, ça limite, je verrai bien ça par la suite. Hein, pour commencer à chercher. Bon, sur ce, le jeu, très difficile à prendre en main au début. Il y a des moments qui sont, je trouve, assez relous, en fait, qui sont les premiers moments dans la maison, en tout cas. Les premiers moments dans la maison sont assez relous. Après, dès qu'on sait un peu plus ce qu'on doit faire, on doit aller à gauche, à droite, etc. Il y a des indices qui nous montrent ce qu'on doit foutre dans le jeu. Là, c'est génial, tu vois. Mais il y a certains moments qui sont vraiment des moments qui sont top, comme par exemple là, à partir du moment où on se retrouve dans les rêves des monstres, etc. Et qu'on finalement on est dans leur monde bien à eux, avec par exemple les cages des oiseaux pour Lucie et la mer un peu plus grande quand on a, enfin la mer là, quand on arrive dans son monde de miroir et de commode. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Les moments un peu plus de phase de recherche où le mob apparaît quasiment sur ta gueule comme ça, par exemple ce qu'on a eu là avant, le démort quasiment instantané là, avec le mob qui apparaît de nulle part et qui te limite à côté de toi et qui te one shot. Là par contre ça me faisait un peu plus chier, donc gros indice pour ceux qui jouent, spammer l'appareil photo. Spammer l'appareil photo quoi, je crois que c'est vraiment le truc qui va vous sauver la vie. Par contre, c'est dommage. Ils ont rajouté sur la fin le système de double main comme ça, tu vois.
avec possibilité d'utiliser le truc en main gauche, l'autre en main droite, etc. etc. C'est dommage qu'ils aient rajouté ça à la fin. Franchement, c'était. Ils ont rajouté finalement le truc qui m'aura peut-être un peu plus plu pour pouvoir plus facilement utiliser l'inventaire dynamique, etc. Ils l'ont rajouté à la fin. C'est un peu dommage. Mais à part ça, voilà, donc le jeu est bien. On va quand même attendre les prochaines mises à jour parce que, comme tu vois, quand même à la base, le jeu. Et tout le monde est un truc avec l'espèce de monde avec des portes, espèce de truc souterrain un peu mécanique, etc. etc. Donc à mon avis, c'est ce que plutôt le jeu veut nous montrer. Genre attention, il va y avoir des mondes par la suite, etc. 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 Concernant l'histoire de Lucie, je trouve qu'ils auraient pu l'arrêter peut-être plus tôt et faire une autre histoire, parce qu'on a quand même compris que c'est bon à un moment, voilà, bon, elle était complètement folle, elle a tué tout le monde, elle a tué son. Elle s'est arraché la mâchoire en bas. Mais je comprends pas alors le rapport avec la. La cinématique au début où le père tue tout le monde, vu que c'est la fille qui s'est auto-tuée en s'arrachant la mâchoire. Ouais. C'est ce que je me disais aussi. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais aussi, à moins qu'elle a peut-être continué à vivre avec une mâchoire en main, tu sais. Moi, tu vois très bien, par exemple, Medieval sort de Daniel Fortes qui avait une mâchoire en bas, non, ça empêchait pas d'être un bon héros de vidéo. Donc, sur ce. C'est un squelette. Oui, c'est un squelette. Ouais. Enfin, ça m'empêche. Sur ce. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine, en tout cas que ce soit dans la vidéo de Guild Wars 2 ou d'autres jeux, parce que de toute façon, hein, j'imagine qu'on va sûrement continuer Home Sweet Home sur. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Même si je connais le jeu par cœur, oui. C'est dommage par contre. Oh, on n'aura pas d'image. Enfin bon, c'est pas grave, ça c'est encore un autre débat. Sur ce, je vous fais des gros bisous à la prochaine.